Bonjour et bienvenue sur Yamaha sainte pour cette nouvelle émission francophone du Tech Talk Live saison 2. Je m'appelle Joël Borg, je suis spécialiste des synthétiseurs et claviers de scène Yamaha et je travaille en collaboration avec Yamaha via mon site et mon entreprise qui se nomme Moessieux. Si vous nous rejoignez pour la première fois, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Tech Talk Live, eh c'est une émission Yamaha. En direct, nous sommes une équipe internationale. Nous sommes cinq. Et ça a commencé à 20 h avec Hans Peter, suivi de Gabriel pour l'Espagne, Manuel pour l'Italie, et puis après moi, il y aura Monsieur Blake Angelo en direct des États-Unis pour la session en anglais. Alors, le Tech Talk Live, eh bien, nous prenons un thème par soirée que nous développons tous à peu près de la même manière. Ça dure à peu près une bonne demi-heure. Je vous donne aussi quelques liens, quelques, quelques astuces, quelques conseils durant euh, cette émission. Alors, surtout, il euh, n'y a pas de questions dans le Qualtrics. Par contre, vous avez le chat et euh, je compte sur vous pour, dans le chat, poser des questions parce que si vous posez des questions, ben, j'essaierai de prendre quelques minutes pour y répondre. Alors, le thème du jour, on est sur Yamaha montage et vous voyez TTL3 pour TikTok Live 3, DAW pour les logiciels séquenceurs. Donc on va parler de logiciels séquenceurs et on va pas parler de Cubase. Euh, non, on va parler de trois autres logiciels séquenceurs, de l'interaction qu'on peut avoir. On parlera aussi un tout petit peu de montage connect. Et puis euh, on va parler également euh, du Remote. Donc le contrôle de... Euh de votre logiciel séquenceur depuis euh, le montage. Alors, vous doutez bien qu'avec trois logiciels euh, à montrer, euh, si on devait faire toutes les configurations directes, ça serait un petit peu cauchemardesque quand même. Donc, on va travailler avec des slides. Mais je vous euh, rassure, vous n'allez euh, pas me perdre de vue. Vous voyez, maintenant, je suis passé euh, en bas à droite. Hein. On ne va pas se cacher derrière les slides. Alors, on commence avec un petit euh, rappel sur tout ce qui est euh, port MIDI, connexion audio, ce qu'on appelle les bus audio. Alors moi, je vais commencer euh, en haut à, à droite pour vous. Avec les ports, donc vous avez trois ports midi. Le port 1, qui est le port instrument, c'est celui avec lequel, eh bien, vous allez jouer euh, de votre instrument, les réglages de contrôleur, tout ce qui va être enregistré dans votre logiciel séquenceur, ce que moi je nomme la partition électronique euh, de votre morceau. Donc le port 2 sur les montages et MODX, c'est ce qui sert au fameux remote, donc à prendre le contrôle du logiciel séquenceur. Et puis, le port 3, très important à ne pas négliger. Si vous avez un clavier qui n'a pas d'USB, eh bien, avec le port 3, vous allez pouvoir récupérer ce qu'on appelle le MIDI flou des prises classiques, ce qu'on appelle les 5 pins d'in en anglais, les prises classiques MIDI, anciens modèles. et eh bien, vous allez pouvoir récupérer via le port 3 ce qui arrive dans le MIDI in de votre montage ou MODX ou bien euh, envoyer euh, depuis le midi août vers euh, l'autre clavier ou rack qui n'aurait pas de connexion USB, qui ne pourrait pas se connecter euh, en midi à votre ordinateur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les ports midi. Alors, après les bus audio, alors il y a deux fenêtres. La fenêtre centrale, c'est le montage, c'est lui qui est quand même le mieux doté dans ce domaine, puisque vous avez 32 bus audio d'entrée. C'est pas rien quand même, hein vous avez le main alert, puis après vous avez 30 bus assignables. Et vous avez trois bus stéréo de sortie, le principal, ce qu'on appelle le digital qui permet de faire passer ce qui vient de votre ordinateur par les effets systèmes du montage. C'est aussi très intéressant. Et puis comme on est sur le montage, on a aussi deux bus assignables en audio. Et puis de l'autre côté à gauche, donc un peu moins doté, vous avez le MODX qui a quand même. Euh 5 bus stéréo, voilà, euh, donc euh, 10 bus au total. Uh, le main LR et puis vous avez 8 assignables et en sortie il bah, n'y a pas d'assignable sur le MODX donc en sortie il n'y a que deux bus stéréo uh, donc vous avez toujours le digital que vous pouvez utiliser également sur le MODX et puis bien évidemment uh, le principal. Alors je vous rappelle la petite donnée de base quand même importante avec les bus USB audio uh, quand ça passe par le main LR ça passe par les effets système c'est à dire la reverb la variation, l'effet variation excusez-moi euh, et Master Equalizer Master EQ, quand vous passez par un autre port USB, 1, hein, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 30 pour le montage, là vous ne passez plus par les effets système. Donc euh, vous allez devoir, dans votre logiciel séquenceur, faire des pistes d'effets et renvoyer les effets, mais on trouve de très très bons effets également dans nos logiciels séquenceurs. Euh, en plus, euh, au bénéfice du Yamaha montage, donc vous avez. Euh, la possibilité de passer si vous allez dans. Euh, ben je vais vous montrer, ça va être carrément euh, plus simple. Si euh, on va dans euh, Utility Audio IO, alors je ne vais pas faire la manip en direct parce que si je fais la manip en direct, il faut que je reboot, ça va poser des problèmes. Mais vous pouvez passer en 192 kHz. Là, si vous voulez vraiment de l'enregistrement de très haute qualité, c'est possible, sinon si vous voulez de la qualité normale, euh, ce qu'on appelle le wave standard, vous restez euh, sur le 44100 on parlera un petit peu de montage connect en tout petit peu aujourd'hui. Euh, mais notamment pour montage connect, euh, il faut être en connexion usb, euh, comme je suis euh, ici à l'écran, euh, de manière à pouvoir utiliser euh, montage connect pleinement. voici. alors, je reviens ici. Euh, et puis après, ben, quand vous allez enregistrer, L'audio, puisque je parle de bus audio, euh, vous avez des bus stéréo, vous avez des bus mono. Alors, bien évidemment, il va falloir choisir euh, le bon bus. Ce n'est pas la peine de, excusez-moi du mot, gâcher un bus stéréo sur une trompette, qui est un instrument euh, qui qui est mono, hein, donc évidemment. Euh, sur une basse acoustique, par exemple pareil, vous pouvez rester en mono. Par contre, si vous prenez une guitare avec des effets, si les effets sont stéréo, il vaudra peut-être mieux enregistrer votre guitare en stéréo. Donc il y a, y a ce choix de diversité de bus qui est à faire euh, au moment où vous faites votre enregistrement audio. Alors, pour euh, la suite, je vais devoir faire une petite manipulation pour pouvoir passer sur la transition. Voilà. Alors. Pour utiliser tout ça, qu'est-ce qu'il faut télécharger Évidemment, il va vous falloir le driver. Yamaha Stenberg. Euh, alors, attention si vous êtes sur Mac. Si vous utilisez de Apple Silicon avec Rosetta, vous devez impérativement prendre le dernier driver USB, la version 305, euh, qui fonctionne uniquement avec Rosetta. Pour les autres versions, vous avez la, la 205, voire selon votre version, euh, la précédente. Et puis, euh, vous allez télécharger Montage Connect, version Mac, bien évidemment. Euh, si vous êtes sur Windows, bah là c'est simple, il n'y a qu'un driver, 64 bits, vous prenez le dernier, euh, c'est le 2.04, et vous allez télécharger Montage Connect. C'est la version 1.1. qui est en place. Alors, je vous ai mis l'adresse, mais évidemment, ce n'est pas très parlant avec l'adresse comme ça. Ça va être un petit peu mieux euh, si je vous montre. Donc c'est la même adresse. Là. Et ici, donc dans la partie... Mise à jour logiciel, c'est ici que vous allez trouver donc toutes les ressources, le, le firmware, la mise à jour du firmware, qui sont euh, nécessaires pour que vous puissiez donc utiliser votre montage ou votre MODX avec votre ordinateur. Alors tout ça, c'est bien, ça nous permet de faire quoi Alors ça va nous permettre de nous aider dans le travail midi et audio, de rester connecté aussi sur la partie musique parce que. On ne va pas en parler beaucoup, mais avec Montage Connect, on peut commencer à enregistrer sur le montage et transférer directement les sons et patterns vers l'ordinateur. Si on est dans Cubase, c'est directement dans Cubase, mais là, on ne va pas parler de Cubase aujourd'hui. Et vous pouvez, comme ça, avec votre projet, selon le logiciel que vous utilisez, si c'est compatible, vous avez votre performance qui est associée au projet qui va pouvoir se charger. Et puis on va pouvoir utiliser également la fonction remote. Il y a aussi des modèles euh, selon euh, le logiciel que vous avez. Quand vous téléchargez Montage Connect, eh bien vous avez des modèles prêts à l'usage. Moi bon, ici c'est le Hub évidemment, euh, puisque je travaille sur Cubase, mais euh, vous l'avez aussi euh, selon le logiciel sur d'autres euh, logiciels qui le permettent. Alors, les logiciels dont on va parler aujourd'hui, donc nous allons commencer euh, pas dans cet ordre-là, il y a Avid Pro Tools en premier, Live et puis Logic Pro, moi je les ai pris dans l'ordre alphabétique hein, carrément, euh, comme ça pas de jaloux, on commence avec Live donc, je vous ai mis les petits pince-bêtes en haut, comme ça c'est plus facile à l'écran par rapport aux captures. Donc on va commencer par configurer le MIDI dans live. Donc on va aller dans Préférences, dans Links, dans Tempo MIDI, et on va pouvoir sélectionner les ports MIDI du montage. Alors je vais activer ma petite flèche. Voilà. Et euh, donc c'est ici que vous allez pouvoir activer les fameux trois ports MIDI 1, 2, 3, euh, en entrée et en sortie euh, pour votre montage. Ensuite, on va devoir travailler l'audio. Donc euh, on va aller dans les préférences euh, de live. Euh, pour l'audio, on va pouvoir faire l'input et l'output qui sont euh, ici sur ces écrans. Donc ici. Euh, le deuxième, c'est l'audio out. Donc la sortie. Alors j'ai gardé les termes en anglais dans la, la description que je vous fais euh, par rapport aux captures qui sont euh, présentées. Mon préférence, il n'y a pas trop de difficultés en français. Euh, settings, ça peut être configuration. Périphérique, ça peut être périphérique. Voilà. Donc j'ai préféré rester euh, comme ceci. Alors par contre, dans live, euh, vous allez devoir. Euh, faire l'activation des bus parce que au départ dans live, vous n'aurez que les bus principaux, ce qu'on appelle le main, le principal. Donc vous allez devoir ici comme c'est écrit là, activer donc euh, vos bus audio input les uns après euh, les autres ici par rapport à ce dont vous avez besoin et selon si vous avez euh, le montage ou le MODX Et puis on fera exactement la même chose pour les bus audio de sortie. Après sur vos pistes, vous allez devoir sélectionner sur vos pistes, euh, chaque piste audio va devoir avoir son bus. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, mono, stéréo, donc en fonction de l'instrument. Donc, dans live, euh, c'est ici que ça se passe. Et là, vous allez me dire peut-être, et, et où c'est que ça se passe dans le montage ou dans le MODX. Donc, on va revenir sur notre vue ici. On va faire edit. On va aller ici, alors sur le montage plus facile, on fait un part hein, sur le modèle X, vous le faites à l'écran comme ceci en sélectionnant Part One. Et ici, c'est ici qu'on a euh, les bus. Sur le montage, on, on va voir tout le détail. Hein, et c'est ici que vous pouvez choisir soit les bus USB stéréo, soit les bus USB mono. Donc voilà pour la petite parenthèse ici. Alors je m'assure que je suis toujours bien sur ma présentation. Euh, donc une fois que vous avez assigné les bons bus par rapport aux bonnes pistes, et eh bien après, vous allez bien évidemment pouvoir enregistrer. Alors après, je vous l'ai dit, le contrôle, c'est le remote, donc le contrôle de votre logiciel pour gérer le mixage. Vous verrez, je vous présenterai un petit peu les écrans à la fin. Euh, même si je suis en off, je ne suis pas connecté puisque je travaille avec un autre logiciel, euh, mais je vous présenterai un petit peu euh, les écrans. Et donc, dans Live, il faut euh, aller euh, dans Linked. Ah, Excusez-moi, la petite chose qu'il ne fallait pas faire. Euh, vous voyez, c'est du direct. Hein. Voilà, vous allez configurer le remote ici. Dans Live, il va falloir configurer le port 2. Alors, ensuite, si vous voulez activer Montage Connect, donc, on va aller dans euh, Plugins ici et on va aller dans VST, VST 3 et euh, c'est ici qu'on va faire un double clic pour aller ouvrir montage connect avec live et bien il sera euh, tout de suite quasiment euh, connecté et synchronisé et donc à partir de là vous allez pouvoir donc sélectionner euh, la performance dont vous avez besoin vous allez pouvoir éventuellement transférer euh, d'autres choses patterns et song donc voilà ça c'était euh, pour live passons maintenant sur logique. Alors sur Logic, je vous pousse un peu ma souris, euh, on va aller euh, configurer les ports MIDI, on reste dans le même ordre, on fait le MIDI, on fait l'audio et, euh, et puis après on, on regarde le remote. Donc on va aller dans euh, Préférences MIDI Inputs et euh, là le conseil pour Logic c'est vous ne sélectionnez que les ports montage, hein. vous ne sélectionnez pas euh, les autres ports, comme ça vous n'aurez pas de perturbation. Ensuite, euh, on va aller dans toujours dans Préférence Audio Device et on va sélectionner euh, nos bus audio in et out. Alors je crois que si je me trompe pas parce que c'est un petit peu loin de l'écran, mais je crois que ça commence par le out et ça finit par le in dans dans logique. C'est la logique de logique. Voilà. Euh, et euh, pour le remote, alors normalement c'est automatiquement configuré. Au départ, normalement, vous avez tout qui est coché sur cet écran. Euh, il faut vous assurer que euh, contrôle surface euh, est bien euh, activé. Voilà. Et si contrôle surface est bien activé, normalement, euh, votre remote va euh, fonctionner correctement. Ensuite, euh, on va aller euh, dans contrôle surface setup dans logique. Euh, et vous allez sélectionner exactement comme c'est indiqué ici à l'écran, voilà, sur le maquis contrôle, et vous allez pouvoir ajouter ici avec add. Et une fois que c'est ajouté, eh ben, vous n'allez plus qu'à sélectionner euh, les ports 2, In et Out, les euh, ports MIDI. Donc ici, euh, on était en préparation et ici ils sont sélectionnés. Ensuite, si on veut travailler avec montage, connect. Donc on va aller dans uh, track, new software instrument, tracks, et on va aller dans AU instrument. Et euh, c'est là qu'on va pouvoir sélectionner soit montage, soit MODX connect pour pouvoir travailler euh, bien euh, tranquillement avec. Alors, par contre, dans Logique, comment est-ce qu'on lance Montage Connect Alors, il faut euh, avoir la vue Info qui est sélectionnée, elle est ici, qui est sélectionnée, excusez-moi, je, je fais du franglais. Hein. Et ensuite, sur la barre horizontale, euh, on, on va euh, cliquer pour avoir Montage Connect qui s'affiche. Alors, euh et dans Setup, voilà, une fois qu'on a notre montage connect qui s'ouvre, il vous suffit d'aller sélectionner Montage. Ici, vous voyez, on est dans l'onglet Setup. Et voilà, vous avez Montage Connect qui euh, va être synchronisé. Et donc, vous allez pouvoir récupérer performance. Euh, et puis vers un répertoire de l'ordinateur, Song Pattern, si besoin, format MIDI, vous allez pouvoir après importer euh, tout simplement dans Logique. Ensuite, alors Pro Tools, Pro Tools c'est un petit peu particulier euh, parce que tous ces slides ont été préparés et on les, je les remercie d'ailleurs par l'équipe Yamaha. Euh, et quand ils sont ici avec Pro Tools, euh, ils n'ont pas réussi à activer Montage Connect euh, dedans. Donc euh, vous n'aurez pas de slide avec l'activation de Montage Connect. Par contre, il fonctionne bien évidemment en standalone. Vous pouvez le mettre à côté de Pro Tools et euh, récupérer, sélectionner votre performance. Ça s'ouvrira pas avec votre projet. Il faudra ouvrir Montage Connect à côté. Et puis vous allez sélectionner votre performance, ça se fait de manière très euh, très simple. Alors dans Pro Tools, on vous a remis quelques euh, exemples. Si vous êtes sous Mac notamment, euh, il faut aller dans Système Préférences et sélectionner Sounds évidemment. Dans Input, on va aller euh, sélectionner notre à si Montage. Et puis après, on va faire la même chose pour la partie Output. Ça c'est le réglage général. Hein, euh on n'est pas encore dans Pro Tools. Voilà. Là, on a ouvert Pro Tools. Et euh, donc, on va configurer. On reste dans le même ordre. On va configurer nos ports MIDI. Donc on va aller dans Setup MIDI MIDI input devices. Si je vous le fais en anglais, voilà, c'est ici. Et là, évidemment, on va sélectionner nos trois ports, le 1, le 2 et le 3. Et puis après, on clique sur OK. Ensuite, pour la partie audio, là on est sur montage, hein, donc euh, vous allez dans Setup, IO, Setup, Inputs, et là vous allez avoir les euh, 32 bus, hein, ou 16 bus stéréo si vous préférez, euh, du Yamaha Montage en entrée. Donc il faut que vous soyez comme sur cet écran, puis après vous faites OK. Ensuite, on va aller faire l'output, donc les sorties, et là on va avoir nos 3 bus stéréo, nos 6 bus. Mono de configuration on procède de la même manière. On met OK après pour valider dans Pro Tools. Et puis euh, pour aller euh, sur la partie euh, remote, on va aller dans Setup. Oui, vous voyez, c'est là avez dit le mot tout à l'heure dans Periphericals. Donc dans Périphériques, certainement, si vous avez la version française, je suppose. Euh, et euh, ici, donc, on va sélectionner euh, les MIDI contrôleurs. Par deux, port 2, 1. Après, vous cliquerez sur OK. Euh, voilà, donc vous l'avez à l'écran. Ça vous remet les affichages dans les deux cases où vous devez mettre votre montage en port de entrée-sortie, entre guillemets, communication in-out, de manière à pouvoir travailler avec le remote. Parce que ça, vous allez pouvoir travailler avec le remote, gérer votre mixage, etc. Alors, pour finir. Je vais cacher ma petite flèche dont euh, je n'ai plus besoin. Alors, pour live, si vous voulez voir du euh, live, euh, Ableton Live en vrai, vous allez revoir la session Dance peter de Ape qui a commencé à 20h à la fin de la session. Ape, euh, qui travaille euh, assez régulièrement sur Ableton Live, euh, a montré un petit peu de l'utilisation en, en direct. Donc, ça vous permettra de voir un petit peu après la config que je vous ai montré euh, comment ça fonctionne pour Logique, eh ben vous allez simplement aller voir l'ami Blake Angelo. Euh, Blake, lui, euh, va normalement, en fin de session, euh, s'il a bien le temps, vous montrer un petit peu comment ça se passe avec Logique. Bon, là, on n'a pas eu de volontaire a priori pour Pro Tools. Je n'ai pas eu le temps de voir la fin de l'émission de Manuel peut-être, peut-être qu'il l'a fait, je ne sais pas s'il travaille avec. Si euh, vous voulez voir ce qui se passe avec Cubase, parce que vous travaillez avec Cubase, donc l'année dernière, dans le Tech Talk Live saison. 1. Euh, vous aviez une émission euh, en anglais, en allemand, notamment, euh, avec le remote dans euh, Cubase vous euh, en avez un petit peu sur Mauricio si vous voulez aussi. Et puis euh, je vous l'ai dit, montage connect, hein, mode X connect. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler assez prochainement avec beaucoup plus de détails. Donc c'est pour ça euh, que euh, dans cette émission on n'est pas allé euh, trop trop loin dans ce domaine. Hein, on est resté sur la configuration euh, de nos logiciels euh, des trois qu'on voulait présenter euh, Ableton Live, Logic et euh, Pro. Tools. Allez, on va changer de vue. On en a fini euh, avec la euh, partie euh, slide. Donc, je vous ai dit que j'allais vous montrer un petit peu ce qui se passe euh, au niveau du remote. Ça va, je n'ai pas été trop bavard ce soir. Je me suis bien tenu. Vous voyez, je suis sage. Alors, on clique sur remote en bas de l'écran. Voilà. Alors, évidemment, je ne suis pas connecté. Donc, les, les choses ne s'affichent pas. Euh, parce que sinon, moi, c'était un logiciel qu'on ne présentait pas aujourd'hui qui serait connecté. Euh, donc, vous avez. Euh, Trois écrans euh, principaux euh, sur la partie euh, remote. Donc vous avez le contrôle 1, je vous expliquerai tout à l'heure hein, ce qu'on va faire dans le contrôle 1. Le contrôle 2, lui, ben, c'est là où vous allez régler euh, ce que vont contrôler euh, les quatre boutons qui sont ici, euh, votre molette de. Non, pas la molette, excusez-moi, j'ai des bêtises. Les quatre boutons, le ruban euh, et euh, les pédales. Foot control 1, foot control 2. Euh... Oui, la foot switch. Voilà, excusez-moi, Je oublié de me pencher un petit peu pour voir l'écran quand même. Euh, remarquez, je pourrais le regarder en face, ça serait pas plus mal. Euh, et très important, ici, cet écran settings, c'est ici que vous allez choisir donc, votre logiciel séquenceur. Donc vous cliquez euh, ici. Là. Voilà. Et vous avez le choix donc, entre euh, Cubase, Logic, Pro Tools et Live. Vous voyez donc. On l'avait déjà fait comme ça, on a fait les trois autres ce soir. Et donc, vous allez choisir votre logiciel et euh, ici, vous allez choisir le canal MIDI de communication. Alors, je vais revenir sur cet écran parce que c'est quand même l'écran où il y a le plus de données qui est quand même le plus intéressant quand on veut travailler euh, avec. Euh le remote. Donc, euh, dans Track, bah vous vous doutez bien que dans Track, en fait, on va euh, gérer notre mixage, aussi bien les pistes MIDI euh, que euh, les pistes audio. On va pouvoir gérer le mixage avec les boutons rotatifs on va pouvoir gérer les panoramiques on peut attribuer des fonctions à nos boutons euh, Scène Memory également. Donc, on peut faire déjà beaucoup de choses avec ça. Quand on a euh, la joie et le bonheur d'avoir un montage, euh, les boutons ici ne sont pas en reste. Alors si je me rappelle bien, ici on peut sélectionner directement nos pistes de 1 à 8. Vous allez me dire, s'il y en a un peu plus, eh bien, euh, avec ces boutons-là, on va pouvoir naviguer par banque de 8 et renaviguer dans les, dans les parties. On va pouvoir gérer les mutes, les solos et euh, l'enable recording, c'est-à-dire euh, activer l'enregistrement en bon français. Voilà, comme ça je vous mets les deux, comme ça vous saurez. Euh, donc là on va vraiment travailler là-dessus. Euh, je vais sauter sur les boutons qui sont là. Euh, si vous activez sur euh, Cursor. Donc c'est les curseurs qui sont ici au bas qui vont vous permettre de naviguer dans les pistes en fait quand vous êtes en curseur et si euh, vous êtes en dial et bien votre molette dial va euh, faire bouger votre barre de défilement qui est dans votre logiciel séquenceur vous savez la barre qui avance dans le temps en fonction de votre projet et bien vous allez pouvoir la régler de manière très précise avec la molette dial et donc ça c'est bien bien pratique donc ça vous pouvez activer désactiver les deux pas les deux comme vous voulez évidemment on a le réglage du local control on off qui est ici alors, l'écran suivant, il s'appelle Plugin. Donc, Plugin, on va gérer nos plugins VSTI, bien évidemment. Et donc, on, on va pouvoir attribuer euh, des Control Changes. Euh, toujours pareil, nos boutons rotatifs, nos faders euh, et nos boutons scène. Euh, donc, l'émission euh, Tech de l'année dernière, il y a Dom Sicalas aussi qui a fait une belle vidéo euh, de mémoire sur le remote. Il y en a une ici aussi en français, si vous voulez. Euh, et donc, vous allez pouvoir contrôler Retrolog, Shop par exemple, ou tout autre logiciel euh, VSTI euh, en fonction de ce que vous utilisez entre Live, Pro Tools ou Logic. Alors, transport, là, euh, là c'est la partie intéressante. Quand on vous disait connexion directe avec la musique, donc. Sur la première partie, on gère le mixage. Donc c'est un petit peu quand on a fini, quand on a enregistré et qu'on veut produire ce qu'on doit produire. Euh, dans la partie plugin vesté, on est encore en cours de travail avec ces plugins. Et euh, ici, là, on est dans la partie euh, enregistrement. C'est là où, depuis votre montage, vous allez pouvoir utiliser les touches de transport. Vous allez pouvoir lancer euh, votre enregistrement depuis votre montage en contrôlant votre logiciel séquenceur. Donc voilà à peu près tout ce que je pouvais vous dire de manière un peu rapide parce qu'en une demi-heure en vous présentant les, les trois logiciels pour les fenêtres de connexion ça me laissait pas beaucoup de temps euh, mais je pense que c'est suffisant voilà pour avoir les bases et puis après vous allez pouvoir aller euh, sur les liens utiles. Donc dans les liens utiles, on a yamasinthe.com, bien évidemment. Donc sur yamaha-sainte, vous allez retrouver un forum, des vidéos, des articles. Vous avez beaucoup d'articles aussi, il y en a quelques-uns sur les logiciels dont on a parlé ce soir avec les configurations de base. Et vous avez le forum. En Anglais, certes, mais euh, je pense que l'anglais est assez courant quand même maintenant. Vous avez monsieur Phil Clandonin la S Bad Mister qui vous répond en personne très très régulièrement. Si vous avez des idées euh, pour les operating systems, que ce soit le montage de MODX, la série CP, la série YC euh, pour améliorer les operating systems, et eh bien vous pouvez les proposer dans ID Scale, le sans social sharing, sans mondo. Donc là, connexion simple soit avec un ordinateur Mac PC ou une tablette Android avec Google Chrome qui supporte le web MIDI ou si vous avez le bonheur d'être sous iOS iPhone tablette iPad etc etc et vous avez l'application gratuite qui vous permet non seulement de sauver là avec les applications iOS en local directement sur la tablette ou le téléphone vos performances et puis vous pouvez partager vos sons et récupérer les sons, ce qu'on appelle le dump, hein, le transfert de données midi, euh, récupérer des sons du monde entier. Il y a plus de 10 000 sons dans Soundmando. N'hésitez pas à partager, partager, partager. Plus on partage et plus belle sera la bibliothèque pour nos euh, synthétiseurs et claviers de scène. SoundCloud, donc c'est là où vous avez les démos audio, vous avez les interviews aussi qui sont euh, faites dans SoundCloud Yamaha. Et puis le Music Production Guide, vous avez Hans Peter. En majorité, qui est au manette, mais il n'y a pas que lui, il y a d'autres personnes qui travaillent avec lui. Euh, je vous l'annonce régulièrement sur Facebook, vous l'avez en anglais ou en allemand. Voilà. Et euh, vous avez de bonnes informations techniques, mais toujours de manière abordable. Et c'est ça qui est bien avec les musiques Production Guide. Et puis euh, le Yama IO Tech Talk Questions. Donc je vous rappelle, je vous le redis, -re dans le Tech Talk Questions, vous pouvez poser vos questions en français. Il suffit de vous connecter, c'est totalement euh, gratuit. Euh, je suis en train de regarder le chat. Euh, bon, il y a une personne qui m'a dit bonjour, donc je lui dis bonjour puisqu'il est tout seul. Au moins, il euh, y en a, il y en a un qui me parle. Euh, c'est bien. Bon, pas de question. Euh, et ben, pas de question. Et eh ben, c'est pas grave. Euh, dans la première émission, d'ailleurs, je vous avais dit, on avait une question de Lionel. Hein, je suis revenu dessus. C'est la seule que j'ai eue. Donc, euh, sur le Qualtrics, le TikTok question, vous mettez votre prénom. Vous mettez votre pays, ça peut être la France, ça peut être la Belgique, ça peut être la Suisse, ça peut être le Québec. Hein. On parle français dans tous ces pays-là quand même. Hein. On parle la langue francophone. Donc allez-y, c'est pas forcément euh, lié au sujet du jour. Hein. Vous pouvez poser des questions euh, sur, y, sur les sur SCP. Euh, on fera au mieux pour vous répondre. Donc n'hésitez pas. Et puis vous avez le chat pour quand vous suivez les directs. N'hésitez pas à poser des questions aussi. Aujourd'hui, aujourd'hui c'était pas le cas. bah c'est pas grave. Hein. On fera mieux la prochaine fois. Voilà. Donc, euh, j'espère que vous avez apprécié cette émission. Ça passe très, 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 très vite, une demi-heure, surtout avec le, le contenu qu'on avait à vous donner. Euh, N'oubliez pas, surtout, de vous abonner. Vous me cliquez sur ⁇ Je m'abonne à Yamaha Sans ⁇ et après, vous me cliquez sur la petite cloche qu'on appelle la clochette. Comme ça, vous êtes informé dès qu'une nouvelle vidéo est disponible sur Yamaha. Sense. Donc j'espère que vous avez passé euh, une bonne demi-heure pour cette émission dédiée au montage à MODX et au euh, logiciel séquenceur. Et je vous souhaite une bonne et agréable soirée. Je vous invite à suivre la session qui arrive en direct des États-Unis en anglais, Monsieur Blake. Angelo, à bientôt, au revoir.